Voici la teneur du message de vœux du président de la République et des Épinons adressé aux serviteurs de deux saintes mosquées, Sa Majesté Salman Ben Abdulaziz au droit d'Arabie Saoudite. Le message est libellé comme suit. Votre Majesté, à l'occasion de l'Eid al-Adha al-Mubarak, j'ai l'immense honneur de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom personnel, mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. La commémoration de la fête du sacrifice et par sa portée symbolique est une heureuse occasion pour la Oumma islamique de renforcer davantage sa vision d'un islam fondé sur le partage, l'amour et la concorde entre les peuples, conformément aux enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. En vous souhaitant une bonne fête, j'implore Allah le Tout-Puissant d'accorder sa grâce et ses bénédictions à votre majesté et à vos compatriotes. J'ai prié votre majesté de bien vouloir agréer les assurances de mon profond respect. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement. À l'occasion de l'Eid al-Adha al-Mubarak, son excellence monsieur Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a adressé deux messages de vœux à leur majesté et altesse, chef d'État et de gouvernement de par le monde. Il s'agit de Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Saoud, serviteur de deux saintes mosquées rois d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Abdallah II, roi de Jordanie, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, Sa Majesté Qaboos Bin Saïd, sultan d'Oman, Sa Majesté Hamad Bin Issa Al-Khalifa, roi de Bahreïn, Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, gouverneur d'Abu Dhabi, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Jaber Sabah, émir de l'État du Koweït. Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Tani, émir de l'État du Qatar. Son Excellence Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Son Excellence Omar Hassan al-Bashir, président de la République du Soudan. Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Son Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie. Son Excellence Alassane Ramon Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée. Son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union de Comores. Son Excellence Beji Kaït Essebsi, président de la République tunisienne. Son Excellence Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Son Excellence Ilman Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Son Excellence Mamadou Issoufou, président de la République du Niger. Son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence Mohamedou Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'autorité de palestinienne. Son Altesse Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite. Son Altesse Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier, commandant chef des forces armées des Émirats Arabes Unis. Son Altesse Cheikh Nawaf Al Ahmad Jaber Al Sabah, prince héritier de l'État du Koweït. Son Altesse Cheikh Jaber Al Mubarak Al Ahmad Al Sabah, premier ministre de l'État du Koweït. Son Altesse Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani, président, premier ministre de l'État de Qatar. À présent, voici le programme de la prière et de l'Eid al-Adha al-Mubarak à la grande mosquée Roi Faisal le mardi 21 août. Prière à la grande mosquée Roi Faisal, 6h, mise en place terminée. 6h30, arrivée de fidèles. 7h, arrivée de membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la grande mosquée. 7h20, arrivée de personnalités et de membres du cabinet du président de la République. 7h30, arrivée des députés, des chefs de missions diplomatiques et de membres du gouvernement. 7h40, arrivée de présidents de grandes institutions. Arrivée de son Excellence le Président de la République, 8h, arrivée de l'imam et début de la prière. 8h30, fin de la prière. Vœux au palais présidentiel présenté par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques. 9h30, présentation
de vœux à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, uniquement par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la Grande Mosquée au palais présidentiel.